Bonjour, je m'appelle Shaban Krasnissi et je suis un des porteurs du projet Geo2Play. Nous connaissons tous les problèmes que peuvent rencontrer les commerçants lors de rénovations, de travaux dans le quartier ou dans une rue. La perte de la clientèle mène régulièrement vers une sorte de désertification économique de la rue, du quartier, et on a l'impression que tout le quartier tombe en faillite. On connaît tous des quartiers excentrés qui ont l'air mal fréquentés et qui pour autant ont une histoire, un patrimoine. La faible fréquentation de ces rues et de ces quartiers sont en général un manque à gagner fiscal pour les autorités. Ces soucis d'attractivité que connaissent les villes sont aussi ceux des offices de tourisme. 34 milliards de dollars, c'est la valeur du marché lié aux Smart Cities et ce montant va plus que doubler d'ici 2020. Si l'approche des Smart Cities n'est pas la solution magique à tous les problèmes, c'est en tout cas une entrée pertinente pour améliorer les relations qui existent entre les villes et ses habitants. C'est dans cette perspective que nous avons développé Geo2Play. Nous mettons à disposition des villes un outil simple et intuitif qui permet d'utiliser, de dévoiler, de partager la ville entre les citoyens et avec les touristes. Geo2Play, dans un premier temps, c'est une plateforme permettant de créer des jeux, des parcours et dans un deuxième temps, une application qui permet d'y accéder. Cet outil, nous l'avons développé depuis plus de 2 ans en collaboration avec le gouvernement wallon, avec les villes de Namur, Mons et Charleroi et plus particulièrement Liège. Nous les avons consultés tout au long de l'élaboration du projet, depuis la première idée mise sur papier jusqu'à la version bêta que nous leur avons présentée il n'y a pas très longtemps. Par rapport à la concurrence, le client pourra éditer, créer des parcours en illimité. Il bénéficiera d'une communauté d'interlocuteurs investis et de statistiques pertinentes. Qui sommes-nous ? Shaban et moi sommes issus du secteur de l'audiovisuel. Nous réalisons des films d'institutions et d'entreprises, notamment pour les offices du tourisme et pour les villes. Après avoir rencontré les divers responsables de villes, mis le projet sur papier, nous avons fait appel à Pierre Prégardien et à Ludovic Évrard, avec qui nous collaborons régulièrement. Ludo est en charge du développement et de la programmation de l'application, de l'éditeur de parcours et des modules de jeu qui viendront par la suite. Pierre, quant à lui, s'occupe de l'aspect design et de la création des contenus. Ce que nous vendons à nos clients, c'est un accès illimité, une skin personnalisée, priorité d'accès et des statistiques. Nous sommes sur l'élaboration d'autres modules de jeu. Réalité augmentée, mode défi, des puzzles, des jeux un peu plus en immersion. Nous offrons également des services de consultance, de formation, de création de contenu, de services pub. Nous sommes déjà en relation avec certaines des 42 maisons du tourisme wallonnes et nous avons d'ores et déjà les contacts des 60 plus grandes villes touristiques françaises. Afin de développer la communauté de géodesigners et de géoplayers, nous sommes sur la conception de certains modèles de parcours type. Nous prenons également contact avec diverses communautés et groupes sociaux susceptibles d'être intéressés par l'activité de création de parcours sur Geo2Play. Ce sont des groupes comme J'aime ma ville, Ma ville à l'ancienne, mais aussi les écoles et les enseignants. Ils seront pour nous des ambassadeurs pertinents, non seulement en termes de contenu, mais aussi en termes de viralité. Notre job aujourd'hui est de convaincre les habitants et les villes de rejoindre la communauté Geo2Play, de devenir des géoplayers et des géodesigners. À l'heure actuelle, nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer que Liège ouvrira le bal au mois d'octobre lors de Liège au Moyen-Âge. Par la même occasion, nous lancerons la version communautaire. D'ici 2016, nous allons collecter et analyser les données fournies par Geo2Play à Liège afin d'améliorer notre effort commercial et d'affiner l'expérience utilisateur. Notre objectif d'ici un an est de vendre 6 accès illimités en région wallonne et de développer la communauté à l'international. Dans les 3 ans, nous aurons tout fait pour que Geo2Play soit présent dans toutes les zones francophones du monde. Nous espérons bien devoir entamer un démarchage international dans les autres langues. Geo2Play s'inscrit dans les solutions Smart City par sa philosophie de collaboration entre les villes, les commerçants et les habitants. Geo2Play, c'est un système d'économie circulaire ouvert dans lequel chaque participant comble les besoins des autres. Du data, de l'éducation, du divertissement, les 3 piliers fondamentaux de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Si vous avez des questions ou des suggestions ou désirez devenir partenaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via notre site internet www.geo2play.com. Merci.